bénédit d'acclamation. Personne n'est comme Jésus-Christ. Amen. Il fait une chose grande. Il merveille son nom. Et c'est devant ces dieux-là que tu es venu ce matin. Laisse que le Seigneur Jésus-Christ te bénisse. Amen. Amen. Et le Seigneur Jésus-Christ te bénisse. Nous allons la lecture du texte. Nous sommes dans le livre de Jacques, chapitre 1er. Chapitre 1er. Nous allons nous lever pour la lecture. Jacques, chapitre 1er, à partir du verset 2. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre. Afin que vous soyez parfait et accompli. Sans faillir en rien. Nous prenons Romains chapitre 5. À l'autre temps, on prépare les cantiques de Jésus-Christ et ma sagesse, il éclaire mon chemin. Romains chapitre 5, nous lisons le verset 3. Nous lisons le nom de Jésus-Christ. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions. Sachant que l'affliction produit la persévérance. La persévérance produit la victoire dans l'épreuve. Et cette victoire produit l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point. Parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Nous lisons Apocalypse chapitre 1er. Apocalypse chapitre 1er, le verset 9. Nous lisons toujours au nom de Jésus-Christ. Moi, Jean, Ngaï Jean, votre frère, et qu'on a bien la condiment, qui est part avec vous à la tribulation et au royaume. Oyo, allez-y na kozwa eteni moko na kat na niyongo pe na kokozi et à la persévérance en Jésus.
J'étais dans l'île nommée Patmos. Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Nous prenons notre dernière écriture de 2 Pierre chapitre 1. Notre écriture de tous les jours. Le verset 5. 2 Pierre chapitre 1. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre votre foi à la vertu. À la vertu, la science. À la science, la tempérance. À la tempérance, la patience. À la patience, la piété. Nous pouvons nous rasseoir au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur Jésus-Christ puisse les têtes de l'île. Si les clairs, il est clair.
L'opportunité pour nous de nous approcher de lui.
Cette opportunité, il n'a pas accordé à tout le monde. Mais il t'a choisi pour que tu sois participant de cette grande fête. Je crois que si le Seigneur t'a appelé ce matin, ce n'est pas pour te faire du mal, mais c'est pour te bénir. Amen. C'est pour te bénir, bien-aimé. C'est pour ouvrir ton chemin. C'est pour te donner la force là où tu étais faible. C'est pour te donner la vie de Dieu. C'est pour te consoler aussi dans toutes tes afflictions. Lui, le Seigneur Jésus-Christ, il n'abandonne jamais. Il sait que c'est lui qui t'a appelé et il doit t'amener à la perfection. Comme nous venons de chanter ces cantiques de victoire, que Jésus-Christ me sanctifie. En lui, les divers sceptres que je suis attaché. Les divers sceptres. Auquel je suis attaché. Et comme je suis attaché à lui, je reçois de lui la vie qui m'a franchi du péché. Il faut croire ainsi. Et cela se fera certainement dans ta vie. Les choses pour lesquelles nous venons ici ne sont pas des utopies, des illusions. Mais c'est la vérité. Et cette vérité agit lorsque tu crois en elle. Cette vérité manifeste sa puissance lorsque tu mets toute ta foi en elle. Et le Seigneur t'attende ce que tu désires ce matin. Et le Seigneur trouve ta vie précieuse. Parce que tu es très précieux aux yeux du Seigneur. Il avait fait que sur la poitrine d'Aaron, il puisse y avoir 12 pierres précieuses. Mais ces 12 pierres précieuses représentaient les 12 fils de Jacob. C'est-à-dire les 12 fils de Jacob qui étaient dans les camps. Et ces 12 fils-là qui étaient dans les camps se retrouvaient aussi sur la poitrine du souverain sacrificateur. Mais là-bas sur la poitrine, ces enfants étaient représentés comme des pierres précieuses. C'est-à-dire les peuples que tu peux voir méprisables là-bas. Mais sur la poitrine du souverain sacrificateur, qui est Jésus-Christ lui-même, ce sont des pierres précieuses. C'est pourquoi je vous ai toujours dit que vous êtes des gens honorables. Parce que vous êtes le peuple de Dieu. Vous n'êtes pas n'importe qui. Si le Seigneur a montré cette image-là dans les Écritures, la poitrine du sacrificateur, cela veut dire vous êtes vraiment précieux pour lui. Parce que lui-même a dit qu'il est le véritable souverain sacrificateur, Jésus-Christ. Et nous, le peuple, nous sommes des pierres précieuses. Jésus-Christ vous bénit d'abord. Je crois que le Seigneur va vous faire du bien. Amen. Amen. Nous tenons toujours notre enseignement sur les choses conformes à la sainte doctrine. On avait dit que c'est dans ces choses qu'il y a la vie, frère. Ce sont les choses conformes à la sainte doctrine qui sanctifient.
Oye longo bani conforme à la sainte doctrine. Oyo elongo bani na bilakisi ya peto qui sanctifie. Oye kulisaka qui lave. Oye sukolaka. Donc si on te prêche ces choses là, toi qui makambo wana et tu crois en elle, toi onimeli yango, ta vie est purifiée. Bon, moi, na yo, et peto la ta vie est sanctifiée. Bon, moi, na yo, et kulisaka. C'est pourquoi on appelle sainte doctrine. Parce que ce qui rend les gens propres. Oye, comme ça n'a pas de peto. Et en dehors de ça, il n'y a plus rien qui peut encore assainir les gens. Et ça n'est l'eau comme sous ton idée à monsieur que vous êtes au peto la bateau. Et toutes les doctrines en dehors de la saine doctrine. Pelibanda, il a dit si y a. J'ai dit tous les enseignements en dehors de la sainte doctrine ne peuvent pas sanctifier l'homme. Si l'homme n'écoute pas l'enseignement des apôtres, l'homme ne sera pas non plus sanctifié. C'est pourquoi on prêchait sur ces choses. Et nous étions arrivés à la pierre à sept yeux. On avait dit que la pierre c'est la foi. Et sur la foi, il doit y avoir sept yeux. Et c'est sept yeux qu'on avait cité dans les Écritures. La vertu, la science, la tempérance, la patience, la piété, l'amour fraternel. Et l'amour. On a dit que si ces choses sont en vous en abondance, elle dit qu'elle ne vous restera pas oisive. Elle ne vous restera pas non plus stérile. Cela veut dire que ces choses-là, c'est ce qui manifeste que tu es vraiment une femme féconde. Parce que quand tu crois en Dieu, tu vas manifester les fruits. Maintenant, ces fruits-là, ce sont ces sept choses-là. On a dit si tu les as en abondance, ça ne va pas te rester stérile. Et puis, celui qui n'en a pas, il est aveugle. C'est là où on avait dit que ces choses-là sont des yeux. Si tu les as, ça va te permettre à bien marcher sur ce chemin. Parce que celui qui marche aveugle, il va tomber dans la fosse. Dans le cadre de notre enseignement, il n'arrivera pas à la perfection. Il va s'arrêter sur le chemin et retourner. C'est pourquoi on a continué encore en disant, Pierre a dit, celui qui ne les a pas, il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. Cela veut dire ces choses-là, si tu les as en abondance, ça va témoigner vraiment que le Seigneur t'a purifié de ses anciens péchés. Tes anciens péchés, le Seigneur t'a purifié de ça. Ces choses-là. Mais si ces choses-là ne se manifestent pas en toi, cela veut dire malgré que tu viennes jusqu'à l'église, tu es encore dans la vie du péché. C'est pourquoi on prêchait cela. On a ajouté encore. On a ajouté dans les Écritures. Dans les Écritures. On a ajouté. Si tu les as, le Seigneur va t'ouvrir largement la porte du royaume. C'est pourquoi on avait tenu de connaître ces choses-là. Ce ne sont pas des faibles ou des moindres choses. Maintenant, on était arrivé à la patience.
pour comprendre c'est quoi la patience. Afin que tu puisses aussi agir conformément à ce que les Écritures nous disent. Au sujet de la patience. Parce que on a dit sans la patience. Non, les Écritures sans la patience. Tu n'entreras pas dans les royaumes. C'est pourquoi on avait lu l'Écriture de Jacques. On voulait montrer la patience. On avait dit ceci. On ne parle pas de la patience. Sans qu'il y ait une promesse qui doit s'accomplir. Quand on parle de la patience, c'est d'abord par rapport à une promesse ou des promesses qui ont été faites. Et par l'endossé temps-là, dans l'intervalle de la promesse faite, jusqu'à l'accomplissement de cette promesse, la personne à qui la promesse a été faite doit manifester la patience. Amen. Pendant cet intervalle-là, il y a des tribulations. Il y a des combats. C'est pourquoi les chrétiens ne doivent pas relâcher. Parce qu'ils savent qu'une promesse a été faite. Et nous devons nous efforcer à l'atteindre. À parvenir à son accomplissement. Pour nous les chrétiens, pour nous les croyants, il y a une promesse qui nous a été faite. Quelle promesse? La promesse de la vie éternelle. Amen. Une promesse nous a été faite. La promesse de la vie éternelle. La promesse de l'avènement du Seigneur. Mais pendant ce temps que nous attendons le Seigneur, nous devons manifester la patience, frère. On avait dit pourquoi cela. Parce que la patience dans notre vie a une œuvre. C'est ce que nous allons lire dans Jacques chapitre 1er, le verset 2. Toutes les écritures que nous allons lire ici, nous allons les lire au nom de Jésus-Christ. Amen. Le verset 2. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Ici on nous dit ceci. Lorsque les épreuves viennent dans ta vie, de toutes les formes, on dit toi frère, on dit toi soeur, tu dois regarder ça comme un sujet de joie complète. Par exemple, tu manques du travail, tu es en train de souffrir, on n'a pas dit de l'imputer d'abord à ta tante paternelle. Tu es par exemple orphelin. Amen. Tes parents sont morts. Toi, il ne faut pas regarder ça comme un sujet de tristesse. Non. La Bible dit, regarde ça comme un sujet de joie complète. Amen. Tu es resté veuve. Tu es resté veuve. On ne peut pas ça d'abord à Dieu comme une mauvaise chose. On dit,
Où de tu vis des persécutions? On dit dans les Écritures, c'est un sujet de joie complète pour les croyants. Pourquoi? On dit auquel vous pouvez être exposé. Maintenant, on dit ceci. Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. On dit la patience. Pour les épreuves dans la vie des croyants, ça impute de produire la patience. Amen. Parce qu'on a dit que la patience est l'un des cieux de la foi. Et cela ne se produit que lorsqu'il y a des épreuves. Dans la foi chrétienne, nous ne prêchons pas seulement que les afflictions sont mauvaises. Non. Quand les souffrances arrivent, c'est pas me dire que je suis maudit. Non. Dans la vie d'un croyant, quand les situations difficiles arrivent, le Seigneur a quelque chose qu'il poursuit. Qu'est-ce qu'il poursuit? La production de la patience dans ta vie. On dit, mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre. Donc la patience a une œuvre qu'elle doit accomplir à la perfection. Dans la vie, dans ta vie, quand la patience est là, la patience a une œuvre qu'elle doit accomplir. Quelle œuvre? Afin que vous soyez parfaits et accomplis. Sans faillir en rien. Amen. Donc la patience fait en sorte que les croyants deviennent parfaits. Pendant tout le temps que les croyants sont à l'attente. Le Seigneur est en train aussi de les perfectionner. Amen. C'est ça le but de la patience. Mais pour que cette perfection, ou cette patience-là soit manifeste, il faut que les épreuves aussi surgissent. Les épreuves, les problèmes, les situations difficiles viennent aussi dans ta vie. Si cela ne vient pas, il n'y a pas non plus de royaume pour toi. Parce que ce que Dieu poursuit, c'est la patience en abondance. Parce que sans la patience, amen. C'est pourquoi Jean, lorsqu'on a lu dans le livre d'Apocalypse, il dit, moi votre frère, Jean, je pars avec vous à la tribulation, la première des choses, et au royaume. Il savait pour entrer dans le royaume, il faut passer par des tribulations. Regardez la persévérance. Vous savez ça? Vous avez entendu? Il a dit tribulation, les royaumes, la persévérance. Quand la tribulation vient, quand tu es dans les chemins du royaume, il faut la persévérance ou la patience pour braver toutes ces choses-là. C'est pourquoi on avait donné l'écriture des actes des apôtres, chapitre 14. On avait dit ceci dans Actes
des apôtres. Dans le chapitre 14. Au verset 21. J'ai dit au nom de Jésus-Christ. On dit quand ils irent évangéliser, ils irent évangéliser cette ville et fait un certain nombre de disciples. Ils retournèrent à Lystre. Icône et Antioche. Fortifiant l'esprit des disciples. Les exhortant à persévérer dans la foi. Amen. C'est-à-dire avoir la patience. Et disant que c'est pas beaucoup de tribulations. Qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Vous avez entendu? On ne disait pas beaucoup de tribulations. Pour entrer dans le royaume, beaucoup de tribulations. Et puis on nous dit qu'il nous faut. Donc, c'est une obligation. Jésus lui-même, pour être glorifié, à la droite du Père, il a passé par des souffrances. Il a souffert la croix. C'est pourquoi on lui avait fait une couronne d'épines pour montrer toi tu seras couronné. Seulement si tu passes par les souffrances. Parce que les épreuves sont des souffrances. Tu l'as porté pour nos péchés. Et nous aussi. Nous n'échapperons pas à cela. Amen. Parce que il y a la gloire qui nous attend. Il y a le royaume qui nous attend. Vous voyez, hein? Il y a des gens qui pensent que les tribulations, c'est seulement manquer l'argent. Tu peux avoir l'argent, mais tu n'as pas la paix, par exemple, là où tu travailles. Tu es autour des gens vraiment qui te persécutent en France. Des gens qui t'exaspèrent tout le jour, qui te persécutent. Ils font toujours mal au cœur. C'est ça aussi la tribulation. Qu'est-ce que tu poursuis? Que la patience se manifeste en abondance. Et que toi tu deviennes parfait. Et que yo opoka, opoma na bokoki. Amen. C'est ça l'œuvre de la patience dans nos vies. Même Jean que nous lisons. Et dans la Jean, il s'était retrouvé. Lui-même, il dit qu'il s'était retrouvé dans l'île de Patmos. Il ne s'était pas retrouvé là-bas pour évangéliser. Non. Pourquoi? Il s'était retrouvé là comme un malfaiteur. Quoi qu'il ne l'était pas. Amen. Pour des persécutions. C'était l'île où on jetait les malfaiteurs. Au temps de l'Empire romain. C'était comme une prison vraiment des grands malfaiteurs. Comme aujourd'hui on parle des gourous. On parle des Osio. On parle On parle de Guantanamo. Aujourd'hui, on parle de Guantanamo là-bas du côté de Cuba. Et c'est pour des grands malfaiteurs. C'était aussi comme ça en ces temps-là. Et là, qui peut t'accabler, on a jeté Jean là-bas dans l'île de Patmos.
de la parole de Christ. À cause du témoignage que toi tu as aujourd'hui. Et ça peut prendre la clé dans l'état de l'IA Jésus-Christ aux gens dans le monde. Et c'est que vous voyez la tribulation doit seulement venir. Et que mignon pour essayer de faire ça. Aussi longtemps que toi tu croiras en Jésus. Aussi longtemps que toi tu détiendras la parole de la vérité. Tu vas vivre les persécutions. Aussi longtemps que tu dois manifester aux hommes de la terre. Non, toi, tu vas manifester à ces gens-là du monde. Et tu es chrétien. Et tu gardes la justice de Dieu. Ces gens-là vont te persécuter, frère. Amen. Ils vont te persécuter. Ils vont t'exposer dans des tribulations. Parce que dans le monde, il n'y a pas la justice de Dieu. De manière à toi de vivre. C'est comme une condamnation pour eux. Parce que Dieu va condamner le monde aussi à cause de nous. Si le monde n'aura rien à dire. C'est à cause des croyants. Et là, Dieu va leur dire, voyez, eux aussi, ils avaient cru. Ils ont la force de fuir l'impudicité. Ils ont la force de fuir le mal. Mais comment toi, tu n'as pas pu le fuir, frère. Eux aussi étaient des hommes comme toi. Et pour cela, eux, ils seront perdus. Et toi, tu iras dans la félicité, dans la joie éternelle. Mais à votre temps, sur la terre. Tu vas faire cette injustice. Tu seras persécuté. Tu seras persécuté. Ta manière de vivre seulement. Ça va te faire persécuter dans le monde. Parce que ici dans le monde, on n'aime pas l'évangile. Nous prenons Psaume chapitre 120. Le verset 5. On dit ceci. J'ai dit au nom de Jésus-Christ. Malheureux que je suis de séjourner à Meshek. De séjourner à Meshek. Donc je suis malheureux parce que je vis à Meshek. Psaume 120, le verset 5. Psaume 120, verset 5. Vous êtes là. On dit malheureux que je suis. De séjourner à Meshek. D'habiter parmi les tentes de Kedar. Assez longtemps mon âme a demeuré. Assez longtemps. Auprès de ceux qui. Assez longtemps, mon âme a demeuré. Auprès de ceux qui haïssent la paix. Je suis pour la paix. Maintenant que je parle, ils sont pour la guerre. Par le Saint-Esprit qui était en lui. Il dit qu'il est malheureux. De séjourner à Meshek. D'habiter parmi les tentes de Kedar. Il a fait longtemps qu'il vit toujours parmi ceux qui haïssent la paix. Il dit lui, il est pour la paix. Parce qu'ils n'aiment pas l'évangile. Ils n'aiment pas la
tu leur montres la voie de la paix. C'est ce que l'évangile nous dit. Au sujet de tel ou tel chose, directement ils te font la guerre. David a dit à cause de ça. Moi, je suis juste. Je suis malheureux. Ces gens ici me persécutent. Ils n'aiment que la guerre. Ils n'écoutent que la voix de la guerre, ces gens-là. Ça, c'est une prophétie, frère. La guerre ici, c'est tout ce qui est contraire à la scène des doctrines. Par exemple, la scène des doctrines nous interdit une vie légère. Oh, la scène doctrine nous interdit d'avoir une vie légère de suivre des péchés. Mais c'est la vie que tu vas trouver dans le monde. Amen. C'est la vie que toi tu vas trouver dans le monde. Tu es à l'université là où tu étudies. Chez nous, il n'y a pas de copinage. Chez nous, les gens ne peuvent pas vivre en union libre comme ça. Non? Ils vont commencer à te traiter de tous les noms d'oiseaux. On va dire, voilà, vous êtes dans l'évangile ancien. Vous êtes des gens anciens. Qu'est-ce que tu veux nous montrer? Mais c'est toi qui es le saint des saints. Ils vont même commencer à te renommer. Ils vont commencer à te renommer, te donner un nom. Pour se moquer de toi. Alors, traitant toi, ça te fait très mal. Au travail, toi, tu n'uses pas de la correction. Amen. Toi, tu n'aimes pas la correction. Toi, tu n'aimes pas ça. Pourquoi? Parce que tu es frère. Mais les autres en pratiquent. Les autres pratiquent ça, la corruption. Quand tu leur dis, moi je veux me contenter avec mon salaire. Mais qu'est-ce que tu veux nous montrer? Parce que tu ne vas pas vécu dans les débordements. Et à cause de ça, ils peuvent te soumettre dans des tribulations. Vous allez voir, il y a même des marchés, on dépasse. Les gens s'enrichissent, mais toi tu t'enrichis par Donc ils vont comprendre que c'est à cause de ta justice, frère. Ils vont comprendre ça. C'est à cause de ta justice. Oh non, pasteur. Oh, pasteur. Vous voyez avec ces choses ici, les églises. Si vous restez seulement avec la prière et la parole, nous ne serons pas des grands hommes. Quand même, tu es un homme élevé, on va voir seulement un papa là en ville. On va aller voir ces papas-là. L'ancien prédicateur, il a aussi beaucoup de gens. Il va seulement nous initier. C'est pas même des grandes choses, c'est pas même ce que les gens disent là. Non. Alors tu auras beaucoup de gens dans l'église. Ça, c'est le manque de patience. Amen. Ah. Si tu refuses, il va commencer à te persécuter. Vous allez voir les enseignements en train de vous critiquer, ces gens-là. Ils se croient être des saints. Les autres ne sont pas des saints. Là, tu as déjà refusé la proposition des sciences occultes. L'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. On ne cherche pas d'autre Dieu pour agrandir l'œuvre. Non. La vie de la consécration est un appel authentique au ministère. Dieu lui-même va envoyer des gens. On refuse que l'œuvre se fasse avec l'effort humain. Même le prédicateur doit sentir que, au-delà de ce qu'il prêche, mais c'est Dieu qui agit. Ah.
Dieu lui-même a créé les circonstances. Dieu, le créateur des circonstances. Les gens puissent rassembler. Il a créé la curiosité pour que cela puisse faciliter l'évangélisation. Dieu lui-même fait ça. Pas quelqu'un d'autre fait. Mais je vais leur montrer l'exemple.
Je vais tuer ta femme. Ta femme va représenter les temples là de Jérusalem. Quand on va te demander qu'est-ce qui arrive, tu leur diras que ma femme c'est lui le temple là. Pour enseigner ces rebelles ici, tu dois tuer ma femme. Mais n'est-ce pas la parole à moi, je vais crier avec force qu'on va détruire ce temple. Mais ne pleure pas. Ézéchiel, ne pleure pas. Ne fais pas les deuils. Ne porte pas non plus le vêtement des deuils. Habille-toi bien. Et mets les turbans. Amen. Amen. On a tué sa femme. Et puis, lui s'est bien habillé. Aujourd'hui c'est difficile. Les lots, tu dis que tu as mangé la sœur. Tu l'as sacrifié. Ça c'est là qui désordre pendant les deuils. Avec la famille de la sœur. Mais comment toi tu peux faire ça? Et toi, tu es en costume comme papa Pascal aujourd'hui. Avec cravate, casaque, kazaka. Mais cet homme-là, Kazimotoana, il craignait Dieu. Et c'est qu'il craignait Dieu, frère. Il n'a pas réuni sa bouche. Il est resté silencieux comme un animal. Il a fait tout ce que Dieu lui avait dit. Amen. Il n'y a pas d'écriture où Dieu a résisté à la femme de Ézéchiel. Ça n'y est pas. Ah, et dans la commune, oh, les autres, que le temple a été rebâti, il est resté comme ça. Pour vous montrer que ce que Dieu veut faire, il le fait. Et personne ne lui dit que veux-tu. Parce qu'il connaît que la plus grande de toutes ces choses-là, c'est ta perfection. C'est ton entrée dans le royaume. Là-bas, tu ne prendras pas de femmes. Là-bas, tu ne prendras pas de mari. Là-bas, tu n'auras pas d'enfant. C'est plus que la vie que tu vis sur la terre. C'est pourquoi il t'envoie des tribulations. Mais les gens qu'ils utilisent pour te persécuter, quel est leur sort? Oh non, ils me persécutent. Il n'est même pas. Du poison dans la nourriture, je meurs. Il n'est pas l'envie par-ci par-là. Quand tu écoutes ça, ça te fait très mal au cœur. Même si tu peux avoir la tempérance. Non, même si. Tu peux avoir la tempérance. Tu ne peux pas réagir brutalement. Mais ça te fait très mal. On a dit que je n'ai pas d'enfant. Je n'enfante pas. Je n'ai pas du travail. J'ai étudié, mais je ne trouve pas du travail. Moi, depuis que je me suis marié, je ne vois pas les bonheurs. Mon mari ne s'épanouit pas. Quand tu coupes ça des gens, c'est pas mal. Hein? Mais Dieu fait ça parce qu'il a un son pour ces gens-là. C'est lui qui a compris toutes ces choses. Écoute ce qu'on dit dans les Écritures de Dieu. Philippiens chapitre 1, le verset 27, jusqu'au verset 29 ou 30. Nous allons lire lentement. Seulement, conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Christ, afin que soit que je vienne vous voir, soit que je reste absent, j'attends de dire de vous que vous demeurez ferme dans un même esprit,
Non. Vous demeurez ferme dans un même esprit, combattant une même âme. Donc, les croyants, ils combattent une même âme pour la foi de l'évangile. Écoutez bien. Yoka. Sans vous laisser aucunement effrayer par les adversaires. Sans vous laisser aucunement effrayer par les adversaires. Donc quand vous avez les combats, quand tu subis des persécutions, on dit celui qui te fait ça, n'est pas peur de lui. Ils sont pas effrayés. Même si c'est dans le travail. Ton collègue de travail. Il te persécute. Dans ton commerce. Il te fait ça. Dans les études. Qu'est-ce qu'on famille? Dans ces combats-là. Qui ne t'effraie pas. Pourquoi? On dit ceci. Sans vous le sont qui me fait par les adversaires. Ce qui est pour eux une preuve de perdition. Vous voyez les combats qui te soumettent là. Non, les adversaires qui te, les combats auxquels ils te soumettent. On dit c'est la preuve pour eux. La perdition. Donc quand on combat un enfant de Dieu, celui qui combat là, celui qui calomnie, celui qui le fait du mal, on dit c'est la preuve que Dieu l'a destiné à la perdition. Amen. Amen. Mais pour vous, une preuve de salut. De salut. La preuve c'est quoi? Kotalisa. Et les mots. Peut-être Ndakisa c'est l'exemple. Mais la preuve. Et les mots. Donc c'est ce qui montre vraiment. Que toi tu es destiné pour le salut. Mais lui qui te calomnie là. Mais lui qui te met des embûches. Et là qui te mortifie. C'est la preuve de la perdition. C'est comme ça que le frère Paul a prêché les souffrances à Christ. C'est comme ça que le frère Paul a prêché les combats. Maintenant, écoute, ça vient de qui? Les combats là. On dit, et c'est là de la part de Dieu. Et ça n'est pas comme ça. Vous voyez Pharaon. Quand il combattait Israël. Israël est mon peuple. L'Éternel a dit. Qui est l'Éternel? Pour que j'obéisse à lui. Il voulait connaître qui est l'Éternel. Maintenant l'Éternel a commencé à se révéler par des frappes. Lorsqu'on a immolé l'agneau, on a immolé ma bonne mon pâte. Ils sont sortis. Lorsqu'ils sont sortis, il a commencé à la poursuivre. C'était l'adversité. Mais pour Israël, il avait passé par la mer et sorti victorieux. Mais Pharaon et son armée. Pour les détruire à la fin. Un élu, frère. Un élu.
bon ami. Ils ont passé par toutes ces choses. Et c'est là, on dit, et c'est là de la part de Dieu. Car il vous a été fait la grâce. Écoutez, écoutez cette grâce. Parce que les gens ont tendance à parler de la grâce selon leur manière. Quand il vous a été fait la grâce, par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui. La grâce de Dieu, ce n'est pas seulement croire en Jésus, non, et aussi de souffrir pour lui. Amen. Quand tu souffres, tu te dis réellement que je souffre pour Jésus. Les souffrances qu'on nous interdit dans la Bible, c'est quand on souffre comme un malfaiteur. Tu es allé voler et tu te retrouves en prison. Et ne dis pas que là-bas tu as souffert pour Christ. Non. Tu prends la forme d'autrui. Tu te retrouves en prison. Quand on te jette un mauvais sort. Mes frères, je souffre pour Christ. Non. Je souffre comme un malfaiteur. Ces souffrances-là ne vont pas tourner ou ne vont pas tourner à ton salut. Ceux qui souffrent Dieu, ce sont ceux-là qui souffrent conformément à la parole. C'est pourquoi l'Écriture dit, on chute du bonheur, sois heureux, et on chute du malheur, et réfléchis, canisa. Quand le malheur t'arrive, tu dois d'abord penser, tu dois faire l'examen de ta vie. Pourquoi ces malheurs m'arrivent? Qu'est-ce que j'avais fait des mal qui m'a attiré ces malheurs? Parce qu'il y a des malheurs aussi qui arrivent parce que tu avais fait quelque chose de mal. Mais il y a aussi des malheurs qui arrivent par rapport à la foi que tu as. Amen. Amen. Tu réfléchis d'abord. Tu penses à quoi? Pourquoi je suis de perte dans mon commerce? Où est-ce que j'ai failli dans ma marche chrétienne? Si tu te rends compte que tu avais fait quelque chose de mal, tu te répands. Amen. Amen. Tu te répands. Mais si tu sais que tu es juste, tu marches en te fortifiant. Parce que moi, les gens qui souffrent selon la volonté de Dieu, mettent leur âme au fidèle créateur. Le remède qui se recommande à Dieu. Ils disent gloire à Dieu, ces souffrances ici, Dieu sait pourquoi il les a fait venir dans ma vie. Mais que toi tu reconnais arriver dans ta vie par quelque chose de mal que tu as fait. Répands-toi. Il y a des souffrances qui nous arrivent. Il y a des gens qui ont péché depuis leur jeunesse. Jusqu'aujourd'hui, ils n'ont jamais dit ouvertement comme ça, j'avais fait ça. Et ils sont liés aussi à ça. Mais les souffrances qui m'arrivent, ce sont les souffrances en Christ. Il y a des péchés qu'on confesse, on doit réparer aussi. Il y a des gens, vous allez les voir, il a engrossé une sœur dans sa jeunesse. Moi je ne prêche que ces choses. Il a engrossé une sœur. Et puis il y a mais l'enfant, c'est le sien. Et moi, on a besoin d'y et puis là-bas, on lui a jeté un mauvais sort. Si cet enfant, c'est le tien. Toi, tu ne vas pas prospérer dans la vie. Ah, toi, tu ne
Mais fais ce même marche arrière, frère. Va confesser et prends cet enfant. Et là, c'est ça, frère. Et là, bon, il faut pas fuir ça. Prends cet enfant là sous ta charge. Et les hommes, moi, là, j'ai déjà une autre femme ici avec moi. Je ne lui ai jamais parlé de ces choses. Mais ton malheur persiste, frère. Dieu ne fait pas des compromis avec les gens. Tu veux que qui puisse porter ça pour toi? Dieu te dit, réponds-toi. Tu reconnais ça et prends cet enfant sous ta charge. C'est ça des erreurs que les gens commettent. Dans leur jeunesse. Beaucoup d'autres sont là. Parce que c'est le délivrer, c'est fini. C'est fini. Non, c'est pas fini. Parce qu'il y a d'autres souffrances qui ne sont pas les souffrances à Christ. Oui, tes amis dans mignon, comme si tu toi-même, tu t'es provoqué. C'est comme Akan. Il a pris les interdits. Et il a fait périr Israël dans la bataille. Lorsqu'on a vérifié, j'aime Dieu. C'est pourquoi il faut avoir des dons spirituels authentiques. Que Dieu nous fasse grâce de prêcher sur les dons spirituels. On est allé demander à Dieu. Dieu a commencé vraiment à faire la sélection. Jusqu'à arriver chez Akan. Il dit Jida. Il dit Jida. Fais approcher Jida. Donc que d'abord toutes les tribus s'approchent. Que les autres rentrent, Jida seul reste. Que d'autres familles partent et que la famille telle reste. Que la famille des Zambi reste. La famille des Zambi reste. Et en fait, la famille des Zambi prenait la maison d'Akan. Et on dit que Akan, la fin, Akan fit des. C'est ça la prophétie aussi, frère. Vous voyez, on a mis à Jésus un bandeau sur le visage. On l'a frappé. On a dit, devine qui t'a frappé. C'est comme si on remettait en cause sa qualité de prophète. On remettait en cause sa qualité de prophète. Il a déjà regardé ses faibles créatures. Il a ses faibles créatures. On doit désirer ça. Et c'est pour ça, témoin
de Dieu. Dieu, au milieu de nous, ce n'est pas seulement Emmanuel dans la prophétie. C'est aussi la manifestation des dons spirituels dans la famille. On dit Dieu, le Père de tous. Au-dessus de tous. Quand tu dis donc, Dieu, quand on dit au-dessus de tous, les temps de l'ancienne alliance. Amen. Quand on dit parmi tous, là il est venu en Jésus-Christ Emmanuel. On dit en tous. Là c'est le Saint-Esprit. Tu as raison, maintenant la prophétie. Ah, osa benda ma raison ya kolo, parce que mais quand Paul prêchait ça dans Ephésiens, il a employé le présent. On dit ceci. Le verset premier.
David. J'ai des célèbres de tout mon cœur. Je chante tes louanges en la présence de Dieu. Je me prosterne dans ton saint temple. Et je célèbre ton nom. À cause de ta bonté et de ta fidélité. La bonté de Dieu, c'est faire du bien à tout le monde. C'est ça, non? Maintenant, la fidélité, c'est accomplir ce qu'il avait dit. Donc, quand le Seigneur te fait la promesse, il est bon. Maintenant, son attitude là, à tenir, à l'accomplir. C'est ça la fidélité. C'est pourquoi David nous dit ici. Et car ta renommée, c'est accru. Donc, par l'accomplissement de tes promesses. Amen. Vous avez entendu? On écarte ta renommée, c'est accru. Par l'accomplissement de tes promesses. Quand Dieu veut faire un nom, veut répandre son nom partout, qu'est-ce qu'il fait? Il vient dans la vie des saints. Il commence à accomplir ses promesses. Ça veut dire en sorte que son nom soit répandu partout. Par exemple, on te connaissait que toi, tu ne te maries jamais. Il te donne un bon mari. Ça va se répandre partout que celle qui ne se marie, qui se marie pas. Que celle qui ne se marie pas. Elle s'est mariée. Donc, le nom de Dieu s'est répandu. Celui qui n'avait pas de travail. Mais c'est le nom du travail. Dans sa famille, on apprend qu'il a maintenant un bon emploi. Lorsque le Seigneur voulait accomplir la promesse d'Abraham, il a accompli. Israël est sorti. La Bible dit la terre s'est répandue même en Cana. À quelle façon qui est rabattu? Nous avons entendu parler de vous. Et la terreur que vous nous inspirez a créé des choses ici chez nous, la Jérusalem. Il n'était pas encore arrivé, mais le Seigneur a fait parvenir son parole. C'est ça le Seigneur dans l'accomplissement de l'homme. Nous allons nous lever pour la prière. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. On va nous entonner un cantique. Nous allons louer le Seigneur pour ce cantique. Tu vas prier. Tu vas rendre à Dieu une action de grâce pour la prédication de ce matin. Prions le Seigneur Jésus-Christ. Prions le Seigneur.